l'instant, Nicolas Rey de la Critique Ciné. Pour vous commenter le journal des sorties de la semaine, ce sera dans un instant. Mais d'abord, votre feuilleton favori, Les Quotidiens. Ah. Saison 2, épisode 23. Un épisode écrit par les Kadour Bodadi. Magnifique. Dionysien, Dionysienne, cinéphile public chéri, mon amour. Depuis quelques semaines... Non, j'ai pas briefé le public. J'écoute, bienveillante, les éditos de Nico qui s'épanchent régulièrement sur notre intimité. Ah bon ? À mon tour de vous à mon tour de vous donner de la croustille. Alors que la France se légèle, telle une cohorte valeureuse en formation tortue, le clan des Quotidiens a décidé samedi soir d'affronter les éléments et de me rendre vite à Strasbourg. Sa cathédrale. Il y a une synagogue aussi, excuse-moi. Aussi. Ouais. En tête des Quotidiens, le Dahan. Oh putain, c'est quoi ce temps de bousasse? J'ai la casquette en Mister Freeze, moi. Elle le fait mieux. Je suis désolé. Alors bon, on apprécie le style, hein, au thermomètre, en même temps, il fait moins 10. Le tout escorté par Titi, notre doudoune humaine pour l'occasion. Le reste de la tribu Saint-Denis débarque. Un seul être manque à l'appel et tout est dépeuplé. Le capitaine de mon navire n'a pas largué les amarres, il est resté à quai. Nicolas Rey n'est pas venu. On s'est manqué. Et là, tout s'écroule. On devait choisir le papier peint pour la chambre du gamin. On était pressé d'être heureux. T'es gueudin, tu sais ce que t'es en train de faire. Il va voir tout ça, je te signale. Il va revenir. On s'est manqué. Et puis surtout, le laisser choisir le papier peint. Perso, c'est pas possible. Bon, pardon, bref. Alors. Mais heureusement, la bande était là. Lolo était comme un coq en pâte à Strasbourg. La choucroute, il est tombé dedans quand il était petit. Évidemment, c'est chez moi. Alors le soir, on était bien obligés, on a fait ripaille, une bonne tablée, du vin blanc qui coule à foison et on effleure le bonheur juste un petit peu. On noie aussi son chagrin parce que rapidement, il fallait trouver la réponse à the question. Pourquoi cet abandon caractérisé? J'ai l'impression d'être traité un peu comme une grecque. Pourquoi me rejouer la retraite de Russie? J'avais une de ces furieuses envies de lui faire une soupe à la nitroglycérine au Nico. Et là, subitement, au matin, tout confus, il m'appelle. Ouais, Leïla, bah, tu as une meuf. C'est Nico. Je suis vraiment désolée, je sais que tu dois me détester, meuf, mais j'étais pas en état hier. Et là, je remballe direct mon silencieux, ma machette, il m'a dit meuf. Et c'est con, mais ça le sauve. Et elle s'en sort bien à l'arrêt. Tu sais, je suis passée en coup de vent, mais... J'ai déjà repéré quelques petits hôtels particuliers, très particuliers. J'ai mis mon assistant sur le coup. Nico, c'est ça. C'est la promesse d'une nuit d'amour qui ne vient jamais. C'est peut-être mieux comme ça. C'est peut-être mieux comme ça. En fait, avec toi, mon Nico, je le sais maintenant, je ne peux pas être déçue. T'es mon amant des mots. Et puis, pour le sexe, tu sais, j'ai tout ce qu'il faut. Yannick et son Mr. Freeze, Thierry, Laurent, Jean-Phi aussi, mon Geoffrey Balafré, Thomas Bouju, Fred Murat-Roto, et même Julien Lepers. Tu vois, je sais me tenir chaud. Belle soirée, s'il vous plaît, à tous mes biches, mes bichons d'adoption. Et surtout, n'oubliez pas, Allah, c'est ainsi qu'Allah est grand. Merci, Léa. Wow.